Je te laisse gérer. Donc oui, avec Diane, j'ai proposé à Diane d'inviter Aurélie parce qu'on avait des problèmes pour trouver des speakers. Certaines personnes ne se sentaient pas l'âme d'un speaker ou tombaient un peu dans le syndrome de l'imposteur, justement, parce qu'ils ne se sentaient pas du tout à leur place pour venir présenter quelque chose en keynote. Du coup, on a tout de suite pensé à Aurélie. Ouais, t'es prêt à enregistrer ? Ok, super. Du coup, c'est un honneur pour nous d'accueillir Aurélie, qui n'est pas du tout de la communauté R et qui a accepté de venir et qui est même qui vient en speed, qui repart tout à l'heure à la dernière minute, qui a tenu absolument à venir. Donc on la remercie. Vite fait, Aurélie, elle est d'Evril chez OVH, Docker Captain, youtubeuse, auteur de livres. Tu le feras mieux que moi, la présentation. Du coup, je vais te laisser la parole. Merci à toi. Merci, Jeff. Alors, bonjour et bienvenue. Avant qu'on commence, qui a déjà entendu parler du syndrome de l'imposteur ? Bon, j'ai terminé, je crois, en fait. Non, c'est pas ça. Alors, je vais vous poser trois questions. Levez la main si ces questions vous parlent. Avez-vous parfois peur de poser des questions bêtes ? Attends. Ouais, exactement. La deuxième question, avez-vous le sentiment de ne pas être légitime dans votre travail ou autre ? Si, ouais, t'en as quand même aussi. Et la dernière question, avez-vous le sentiment qu'à tout moment, on peut vous démasquer, que les autres vous prennent pour un expert, un gourou, un ninja, une rockstar ? Si, voilà, exactement. Bon. Je vous remercie. Alors, je m'appelle Tony Vache, je suis d'Evrel chez OVH Cloud, je suis donc Docker Captain, Google Developer Expert dans les technologies du cloud. Je suis CNCF Ambassador, organisatrice de conférences, une montée dans des assos de femmes dans la tech. Je fais des articles, des tutos, des livres également maintenant. Et je suis sketch chanteuse, speakeuse et je suis une impostrice. Je suis là devant vous, mais je n'y connais rien. Je suis nulle. Je ne me sens pas légitime. Je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour faire ce talk. Et je me demande si les gens découvraient que je suis en réalité une quiche, une impostrice. Bon, on arrête les conneries, on est d'accord ? Je ne pense pas être la seule à penser cela, et il est temps d'arrêter de penser ce genre de choses. Commencement par le commencement. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur ? C'est avant tout une histoire de perception et de comparaison. Je pense que comparé aux autres, je ne sais pas grand-chose. Alors que la réalité, elle est tout autre. Je sais un tas de choses que les autres ne savent pas et inversement. Ce phénomène a tout d'abord été détecté chez les femmes, mais touche autant les hommes et près de 3% des dirigeants. Il touche tout particulièrement les personnes exerçant un métier technique dans l'informatique et des développeurs, des techs, etc. Il se manifeste sous la forme d'une petite voix qui nous rabaisse. Certaines personnes sont persuadées qu'elles ne méritent pas leur succès malgré tous les efforts qu'elles font pour réussir. Elles s'auto-persuadent souvent que leur réussite n'est pas liée à leur travail, à leur accomplissement personnel, mais tout bonnement à la chance ou bien au travail des autres. De fait, elles vivent en permanence avec un sentiment de duperie et craignent sans cesse que quelqu'un ne les démasque d'un jour à un autre. Vous savez, cette petite voix qui vous dit
peut-être que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'avez rien à apprendre aux autres, eh bien, cette voix a tort. On va voir des tips pour combattre le syndrome de l'imposteur. Règle numéro 1. Des connaissances, des compétences, des victoires, tu as. Nous sommes très doués en tant qu'êtres humains pour nous auto-flageller, mais beaucoup moins pour nous trouver des qualités. Vous pouvez commencer par lister toutes les choses accomplies, les connaissances, les compétences acquises jusqu'à maintenant. Repensez aux journées où vous avez galéré à débugger un problème, mais êtes parvenu à trouver la solution. Même si vous pensez que ce n'était pas grand-chose, il est important de se remémorer ces moments-là. Pour les mettre noir sur blanc, pourquoi pas utiliser une mind map. Une carte mentale, c'est comme une liste, mais ça fait marcher les deux parties de notre cerveau. Pratique pour prendre des décisions et, dans notre cas, pour savoir où on en est. Il n'y a pas de petite victoire. Nos erreurs sont là pour nous permettre d'être meilleurs et on apprend grâce à elles. Règle numéro 2. Des amis, des pairs, des communautés, tu trouveras. Entourez-vous d'autres développeurs, développeuses, techos. Faites partie d'une association, d'une communauté où vous pourrez échanger et communiquer. À titre personnel, faire partie d'une association de femmes dans la tech m'a permis de me sentir entourée et épauler d'autres développeuses et cela m'a permis de repousser les limites que je m'étais fixées et de réaliser des choses que je n'aurais jamais imaginées. On est plus fort à plusieurs. On ne peut pas tout savoir et ce n'est pas grave. Apprenez de vos pairs auprès d'un mentor, d'un role model. Règle numéro 3. Partager et contribuer, tu pourras rédiger des articles, des cheat sheets, tout d'abord dans votre blog à vous, puis celui de l'entreprise, puis dans des sites et des magazines spécialisés. Cela vous permettra d'approfondir vos connaissances et vous vous apercevrez que vous connaissez plus de choses que ce que vous en pensez. Présentez également un talk, un retour d'expérience, tout d'abord dans votre entreprise, puis en meet-up, et après dans les conférences comme ici. Vous pouvez y aller également étape par étape. Vous pouvez transmettre votre passion à des enfants lors de coding goûter, en faisant des interventions dans des collèges, dans des lycées et également auprès de personnes en convention dans des coding cocktails. C'est très, très sympathique. Tous ces échanges seront très enrichissants et pour les autres et pour vous. Vous pouvez contribuer à des projets open source. Vous pouvez commencer à y contribuer étape par étape. Au début, donc, corriger des fautes d'orthographe, de la documentation, puis l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, maintenir un simple README file peut aider énormément de personnes. Il n'y a pas de petite contribution. Ou tout simplement tweeter ce que vous venez d'apprendre, même si vous pensez que tout le monde le savait avant vous. Ça, qui le savait en fait ? Pas grand monde à mon avis.
Et ben voilà, avec un tweet, et tout le monde après, du coup, est au courant, donc n'hésitez pas vraiment. Règle numéro 4 du feedback. Plutôt que de la validation, tu demanderas. Demandez du feedback, mais évitez de demander une validation externe. Il y a une différence. Et donnez-en également sur des sujets sur lesquels vous vous sentez plus à l'aise dans un premier temps. Règle numéro 5 du pair programming. Tu feras à deux, à plusieurs. Cela permet de monter en compétences et de faire monter également les autres également. Vous pouvez, par exemple, travailler sur le développement d'une nouvelle fonctionnalité et votre collègue apprendra de vous et vous apprendrez de votre collègue également. Règle numéro 6, confiance en toi, tu auras. N'essayez pas de copier les autres, restez vous-même. Ayez confiance en vous, en vos idées, en vos capacités. Pour la petite histoire, pendant le premier confinement, un samedi ou un dimanche dans l'après-midi, je me suis allongée dans mon lit, j'ai pris ma vieille tablette et je me suis demandé comment je me représentais un pod, donc un des concepts de la technologie Kubernetes. Je me suis mis à dessiner et gribouiller des Pokéballs. D'accord. Donc en gros, pour moi, un pod, c'est comme une Pokéball. Et à l'intérieur, on peut y mettre un ou plusieurs conteneurs. Ok, pourquoi pas. Et je n'aurais jamais imaginé la suite que les personnes sur Twitter aimeraient cette façon de visualiser, d'expliquer les concepts techniques très compliqués, que j'aurais écrit trois e-books de sketchnotes, des séries de vidéos sur YouTube, et même depuis août, un livre en vrai, illustré, avec des illustrations, des sketchnotes sur Kubernetes, et un autre là sur Docker. J'ai même fait un talk sans ordinateur, sans slide, devant des gens en pédalo, oui, 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 c'est vrai, pour expliquer Kubernetes, avec des cartons, des Pokéballs et des amis, et c'était trop, trop bien. Donc, un des messages que je veux vous dire, c'est faites-vous confiance, tentez des choses et partagez avec les autres. Règle numéro 7, positiver, tu devras. Plutôt que de vous arrêter sur les choses que vous ne savez pas faire, sur les commentaires négatifs que vous avez pu avoir en entreprise ou bien en conférence, concentrez-vous sur le positif. Je vais vous raconter une petite anecdote. En 2019, dans une très grande conf internationale, indice chez vous, voilà, j'ai eu un commentaire qui m'a fait très mal. Alors, on est à Devox, désolé, mais ce n'est pas le lieu approprié pour un atelier d'orthophonie. Et oui, je bégaye. Et sur le coup, en fait, ça m'a fait très mal. Et pendant un mois, je me suis demandé si je devais tout arrêter, que je ne savais pas parler et que je ne devais pas être une oratrice. Heureusement que j'ai écouté tous les gens très bienveillants qui m'ont demandé de continuer et spoiler alerte, j'ai continué. Donc, positiver, ça permet vraiment d'avancer. Règle numéro 8, déjà, d'accepter, tu dois. Vous ne pouvez pas être un
Cador, en container, en Rust, en Java, en JavaScript, en R, en programmation fonctionnelle, en serverless, en infra, en CI/CD, personne ne le peut. Vous n'avez pas à être parfait et personne ne l'est. Vous vous trouvez nul dans une compétence particulière, cool, parfait, lisez sur le sujet, approfondissez-le et vous apercevrez que vous connaîtrez plus de choses que vous pensez et la petite voix partira progressivement de votre tête. Vous avez soumis un talk et n'avez pas été accepté, vous n'avez pas eu le job que vous espérez, ce n'est pas grave. Le refus n'est pas un échec, il faut l'accepter. Je vais vous raconter une autre anecdote. Il y a quelques années, je voulais faire un master à Toulouse et à l'époque, j'habitais à Montpellier. Donc c'est en deux étapes. Première étape, avec mon BTS avec 16, j'étais prise, c'était cool. Deuxième étape, c'était quoi ? Un oral. Mince. Donc, du coup, Montpellier, Toulouse. Et là, on va dire que j'entre dans la salle. Et devant moi, je vois une table avec 8 membres du jury. 8 personnes. Waouh, trop peur. trop peur. Donc, eh ben, oui, j'étais très stressée. Et donc, oui, j'ai énormément piqué. Et à un moment, un des membres du jury me demande de m'arrêter et me dit que je ne sais pas parler. Et ça s'est terminé là. Fini. Donc oui, bah, ça me fait très très mal. Mais cela ne m'a pas empêché de faire le métier que j'aime depuis environ 17 ans. Donc si vous aussi, vous n'avez pas le bon diplôme dans la bonne école, ce n'est pas grave. Alors oui, on galère plus quand même, hein, mais on peut également y arriver. Je ne sais pas s'il y a des RH, mais ne vous focalisez pas sur le bon diplôme dans la bonne école, car le risque est de passer à côté de super candidats, de super personnes qui ont la niaque et une soif d'apprendre. Et il y a une citation de Nelson Mandela que j'aime tout particulièrement. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est vrai, on apprend de nos erreurs et on apprend de nos expériences. Et il y a une phrase que mon fils il m'avait dit, c'est en me longtemps que je pousse, et c'est vrai en fait. C'est vrai. Le syndrome de l'imposteur ne doit pas être un sujet tabou. Il est important d'en parler pour transformer cette peur en force, et on se sent seul alors que c'est faux. Et je vous assure que la majeure partie des orateurs et des collègues que vous connaissez souffre également de ce syndrome. Il faut accepter ce que l'on ressent, s'en servir et en parler. Et j'ai été très contente d'entendre ce terme dans un épisode de Big Bang Theory. Règle numéro 9, sois fier de toi, tu dois. Il m'a fallu environ 36 ans pour pouvoir me dire « je suis fière de moi » et ce n'est pas encore très très simple. Mais je pense que c'est important de le dire. Tu peux être fier de toi et tu dois être fier de toi. Alors ne faites pas la même erreur que moi. Et n'attendez pas pour le dire.
nous sommes tous très différents. Nous avons notre propre expérience et nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli. Ce que ce syndrome vous apporte est avant tout l'humilité. C'est une très bonne qualité pour un tech, pour un développeur en général. Ce n'est pas grave de ne pas savoir répondre à une question, mais c'est important de le dire, car d'autres personnes sont dans le même cas que vous et n'osent pas le dire. Le syndrome de l'imposteur n'est pas une fatalité. Servez-vous-en pour vous améliorer, vous prouver que vous assurez. Vous ne décevez personne, ni les autres, ni vous. Le syndrome de l'imposteur, quoi qu'on puisse en dire, est une bonne chose. Il peut vous pousser à vous dépasser, à faire de la veille technologique, à être dans des communautés et à partager vos retours d'expérience. Et au final, souffrir de ce syndrome reflète le fait que vous êtes de très bonnes personnes. Alors, n'oubliez pas, arrêtez d'écouter cette petite voix, ou plutôt ça vous en, car vous êtes légitime. Merci. Alors, j'aime les retours, hein. Même si tous ne sont pas, on va dire, très, très bienveillants. Donc, si ça vous dit, je vous ai créé un petit formulaire très rapide avec en bas le lien ou bien le QR code avec, on va dire, juste une gommette à mettre et, si vous le désirez, un petit commentaire libre. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous laisse un tout petit peu de temps pour faire le feedback. C'est trop cool comme système. Il n'y a pas de questions et on m'apprend que, a priori, le code de la conférence pour Slido est passé trop vite et que vous n'avez pas eu le temps de le saisir. Du coup, je vais poser la première. Aurélie, si tu veux bien. Aurélie, tu nous as dit que être entourée, ça permettait de se sentir soutenue, épaulée, faire partie d'une communauté. Et je sais que tu es très investie dans les Duchesses, qui, je crois, est une communauté moins connue de la communauté R. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot ? Oui, bah, très bien. En gros, en fait, Duchesse France, c'est à la base, en fait, une communauté de femmes développeuses en Java. Parce que à l'origine c'est J du S, mais quand là maintenant c'est une communauté de femmes dans la tech, donc tous les métiers, toutes les technologies également en fait, où on a créé une communauté de partage et d'entraide. On a même du coup un Slack avec plein de canaux très différents où tout le monde en fait peut se sentir très libre de poser des questions très, très différentes sur le travail et même sur le quotidien en fait. Et on organise également des meet-up aussi
Alors, surtout sur Lyon et Paris, en fait. Voilà. Merci. Je ne vois pas de questions pour le moment. Alors, sinon, ben, si, on va dire, un ou une d'entre vous aurait des anecdotes à partager, en fait, sur son syndrome d'imposteur ou autre, qui aimerait bien partager, peut-être. Tu as une question sur comment faire du bon pair programming. Bon ? Oula ! Non, mais... Joke. Alors, en gros, c'est très important que, on va dire, chaque on va dire, rôle soit très bien respecté, en fait, parce que bah, celui qui code a un rôle très différent de celui qui parle, du coup. Bah, un exemple, si celui qui parle prend le clavier, en fait, qu'il arrache des mains, là, bah non, ça ne le fera pas, on va dire, trop. Donc, en gros, c'est très important de faire tous les rôles. Parce qu'on apprendra mieux à écouter, en fait, et à faire passer, en gros, tous les messages qu'on aimerait également. Donc, merci. Voilà. Je te laisse la prochaine. Et mince. Alors, très bonne question, celle-là. De l'anguille. T'as 3 heures ou... Alors, très bonne question. Alors, un ou une Devrel. En gros, Devrel, c'est un acronyme de développeur relation. Alors, en vérité, c'est une catégorie de questions. Job title, en fait, qui regroupe tout ce qui est création de contenu, donc créer des POC, des vidéos, des articles, des tutoriels, aider sur des projets open source ou bien en interne, parce que on va dire que le devrel a comme vocation de rendre les développeurs ou les techs heureux. Donc, c'est, on va dire, un mix entre être un bon généraliste tech et savoir, du coup, communiquer. Donc, c'est un mix de communication, partage et de tech. On aide, on va dire, et les développeurs, et les techs dans l'entreprise, et ceux qui sont dans les communautés également. Voilà. Merci. Qu'est-ce qui t'a poussé à partager les premiers dessins que tu as fait dans ton coin au départ sur Twitter ? Eh bien, mes amis, en fait. Parce que, car en premier, en fait, je l'ai partagé dans un WhatsApp d'une amie, Gaëlle, et qui m'a dit « Ah non, mais c'est trop trop bien, donc mets-le sur Twitter. » Et là, j'ai tenté... Attends, ouais, c'est bon. J'ai tenté du coup, et ça m'a, on va dire, vraiment très étonnée avoir pas mal de... tweet qui me disait, mais continue, en fait, au final. Donc, voilà. Est-ce que c'est sympa en vrai, Octave Klaba ? Une réponse courte. Je ne l'ai jamais rencontré. Merci, c'est le patron d'Ové. Voilà, donc, j'en ai aucune idée. C'est vraiment plus. Comment trouver la force de candidater dans une big tech company comme Google, Meta, Amazon ou OVH ? Alors, c'est très compliqué, en fait, parce que dans les grosses entreprises, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 12, on va dire, entretiens, en fait. Et les entretiens, on va dire, à l'écrit, à l'oral,
J'ai des amis du coup qui ont candidaté chez Amazon, Google et Microsoft. Et quand on va dire, t'entends tout leur retour de j'ai dû coder une fonction de récursion dans un Google Doc. Là, t'as un peu peur en sort. Mais si cela vous dit, tentez-le et puis t'as des bouquins également qui vous préparent à. Pour EVH, j'ai eu en gros 3 entretiens, donc cool, chouette, cool, check. Est-ce qu'il n'y avait pas un recours possible contre le jury qui t'a jeté aussi lamentablement au master? Alors, je vous avouerai que j'ai beaucoup pleuré en fait quand j'ai eu ça. Donc, on va dire que la seule, on va dire, solution que j'avais, c'était de faire une licence pro à Montpellier pour, on va dire, grappiller un an de plus. Et on va dire que à l'époque, en fait, je m'imaginais pas, en fait, avoir un recours. Parce que sur le coup, en fait, tu es mal et tu dois trouver des solutions très rapidement. Donc voilà. Alors, j'ai pas la ref sur ce coup-là. Est-ce qu'il est encore vivant, Gopher Yoda? Gopher. Alors, en fait, tu as un langage en fait, de programmation, c'est le Go, et sa mascotte, c'est un gopher. Okay. Et il y a quelques années, j'ai dessiné un gopher à Yoda. Donc oui, il est encore en vie, je pense. Merci. Plus de questions? Merci beaucoup Aurélie, je pense qu'on peut l'applaudir encore beaucoup. Merci. Une dernière, parce qu'on a encore le temps. Est-ce que vous faites du Rust chez OVH Cloud? Alors, ouais, oui, du mail, ouais, wesh. alors oui, en fait, à l'origine, les technos, en fait, elles étaient, on va dire, vieillissantes avec du CGI et progressivement du Python. Et là, en fait, cela fait, je dirais, 2 ans que le virage Go et Rust a été pris. Donc, tous les tout nouveaux, en fait, produits sont ou en Go ou en Rust. Donc, ouais. Merci. Je vous propose qu'on arrête là et qu'on se mette en ordre de marche pour la session d'après. Merci encore Aurélie, c'était formidable. Merci beaucoup Aurélie.